Eh bien salut à tous, c'est des The Kid et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur Underworld, un petit jeu très sympa que je vais vous présenter, un jeu développé par une seule personne et qui est un adolescent de 16 ans, donc quand même chapeau à lui. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu? Ben, je vais tout simplement vous le faire découvrir. Déjà, vous pouvez constater hein, qu'à l'intro, les graphismes ne sont pas une tuerie, mais ce n'est pas ça qui fait le charme de ce jeu, bien sûr. Donc je vais vous le dire, déjà, c'est un enfant... Si tu dis à quelqu'un que 16 ans c'est un enfant, tu te prends une patate. Donc je vais pas dire un enfant, mais vu qu'il est plus jeune que moi, c'est un jeune homme de 16 ans qui a fait ce jeu. Donc à lui tout seul quand même, même si les graphismes sont pas top, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, vous voyez, il y a la personnalisation de personnages. Vous voyez que certaines choses sont avec un petit cadenas, c'est tout simplement que c'est un free-to-play. Et qu'il y a moyen de le payer pour 5 euros, et le fait de le payer pour 5 euros débloque certaines choses, donc par exemple certaines coupes de cheveux et certaines couleurs de peau, ensuite voilà, certains skins, etc., etc. Et ça débloque et ça fait. Putain, mais j'arrive pas à parler, bordel de merde! Et ça fait également en sorte que en jeu, vous avez plus de loot. Alors pourquoi plus de loot? Je vais vous expliquer tout simplement le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est des aids, tout simplement. What? Ça m'a enlevé mon full screen. Le principe du jeu, c'est que tout simplement, c'est des aids. C'est un survival avec zombies, avec loot dans les maisons où il faut trouver nourriture, bandages, armes pour se défendre, etc. Où il y a des voitures, où il est possible de construire. C'est franchement, c'est des aides au niveau... Il y a quelques trucs qui sont pas aussi poussés, mais en gros, c'est ça. Donc là, vous voyez en bas, ma barre, bon, le plus avec 100%, vous constaterez tous que c'est ma vie, hein. Faut pas être con pour comprendre. Là, je vais aller vers le village qui est là-bas, en essayant qu'il n'y ait pas trop de zombies. Je vais essayer de pousser la luminosité de mon ordi à fond, pour que vous voyez à max, mais apparemment c'est déjà à max. Juste à côté, la petite fourchette, 2%, c'est que j'ai 2% de faim, donc ça va encore. 3% de soif. Ensuite, radioactivité, tout simplement, vous gagnez de la radioactivité quand vous faites taper par des zombies, mort par des zombies plutôt, ou que vous bouffez de la bouffe avariée, ça faut faire très attention avec la bouffe, et quand vous êtes à 100% de radioactivité, je ne sais pas ce qui se passe, parce que je ne l'ai jamais été, mais peut-être que vous mourrez, je ne sais pas. Et à droite, l'éclair, c'est tout simplement mon énergie qui remonte. Donc, vous voyez, là, j'ai un peu de chance, parce que le jour se lève, alors je ne sais pas si c'est aléatoire ou pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on commence une nouvelle partie, chaque fois qu'on commence une nouvelle partie, c'est la nuit. Hein. Moi, pour l'instant, toutes les parties que j'ai lancées, j'ai dû en lancer 4 ou 5, c'est la nuit. Et la nuit, c'est la merde. Plus de spawn de zombies, moins facile à se repérer, etc. Donc la nuit, c'est vraiment la merde. Donc heureusement, là, pour moi, le soleil se lève. Ensuite aussi, il y a également un système d'XP. Donc vous voyez, là, par exemple, j'ai que 4 places dans mon inventaire, tout simplement, parce que c'est les petites poches qu'il y a entre mes cuisses, là. J'ai que 4 places dans mon inventaire, je pourrais en avoir beaucoup plus en trouvant un sac. Et je peux également augmenter mes skills, vous voyez. Mes skills de survie, mes skills d'endurance, mes skills de défense, je pense. Mes skills de tir, de shoot, d'armes blanches, de craft. Enfin, craft, coupage et minage. Et mes skills de craft, voilà. Bah voilà. Vous voyez qu'on peut augmenter certaines différentes manières, avec certains coûtent beaucoup plus cher, par exemple les kits de craft coûtent 50 XP. Là j'en ai que 4. Au niveau de l'XP, comment ça marche? Tout simplement en butant des zombies. Cependant, vous allez voir si j'arrive à trouver une voiture dans ce village là. Je ne sais pas où je suis. Ah, je suis à côté de la base militaire. Alors là c'est la merde les gens. Tout simplement par l'unique et bonne raison que oui, j'ai vu le zombie qui était à ma droite. Que la base militaire, c'est ultra pratique parce qu'il y a pas mal d'armes. Cependant, il y a pas mal aussi de zombies en Kevlar, et donc putain de dur à buter. Je vous cache pas que je vais sûrement pas tarder à mourir. Voilà, exactement. Je vous cache pas aussi que franchement, le début d'une game est ultra hard. Mon téléphone vient de sonner, c'est cool. Le début d'une game est ultra hard à survivre, tout simplement parce qu'on n'a rien. Vraiment rien. On est à poil, de chez à poil. On demande littéralement. Donc là, je vais tout simplement, je pense que je vais faire une élite jusqu'à trouver un vrai village, parce que la base militaire c'est vraiment la merde, c'est là où il y a le plus de zombies et plus de zombies surprotégés, on va dire. Donc petite ellipse. Et heureux tout le monde, nous revoilà enfin
Pour vous, ça fait 3 secondes, mais pour moi, ça fait presque un quart d'heure, tout simplement, parce que j'ai trouvé un village juste là derrière cette petite montée. Mais sauf que j'ai dû traverser cette étendue d'eau et je viens de comprendre, je savais qu'on pouvait nager, mais je viens de comprendre à quel point on est ultra lent quand on nage, c'est un truc de malade. La natation, c'est pas trop le truc de perso. Après, peut-être en augmentant, enfin, c'est pas peut-être, je pense, c'est en augmentant notre endurance, il y a fort moyen d'être beaucoup plus rapide. Et c'est moi, c'est une autre base militaire en fait que j'ai trouvé. Putain, il y a un village juste à côté. On va aller au village juste à côté, on va essayer d'éviter la base militaire pour l'instant. Alors moi, petite technique de début du jeu, tout simplement, essayer de trouver un village déjà, tout d'abord, parce que c'est là où il y a le plus de loot. Et trouver une voiture, impérativement. Vous allez voir que les voitures, c'est plutôt pas mal foutu, enfin, pas graphiquement. Hein. Voilà. Ah tiens, en voilà une, nickel. Trouver une voiture, tout simplement pour écraser le plus de zombies dans le village, pour pas avoir à chercher plus tard. Voilà, vous voyez, c'est mort de rire aussi les petits bruitages. Vous voyez, alors, quand je vous disais voiture, il y a le kilométrage juste au-dessus de ma barre de faim, et juste au-dessus de ma barre de radiation, il y a le pourcentage d'essence. Donc il y a moyen de remplir les voitures d'essence. Et donc voilà, je vous disais pourquoi la technique de prendre une voiture simplement pour se débarrasser d'un maximum de zombies, vous voyez, parce qu'une voiture est ultra efficace au niveau de. Voilà, je les one shot. Mais surtout, faire ça qu'au début, effectivement. Effectivement, pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que faire ce que je suis en train de faire, je suis bloqué. Que de faire ce que je suis en train de faire, ce sera. Ça ne fait pas gagner d'XP de buter les zombies comme ça. Pour gagner de l'XP, il faut les buter à l'arme blanche ou en les butant normalement, quoi. À l'arme. En voiture, ça ne fait rien. Oh là là, ce massacre. Donc là, vous voyez, j'essaye de vider un peu le village de. Les zombies alentour pour être tranquille pour fouiller les maisons parce que c'est vrai qu'il y en a un paquet hein. Un paquet, vous voyez que je suis déjà plus qu'à 9% de d'essence donc faut que je le bouge un peu. Oh non, j'ai cru que le poteau il allait tomber. Moi, il y a un camion là, je sais pas si je pourrais le prendre après quand j'aurai plus d'essence. Vous voyez là que ma voiture commence à fumer, vous voyez les voitures qui fument. Ce n'est pas du tout qu'elles sont cassées, certaines peuvent être cassées, il y a un système de réparation, mais plus elles fument en fait, tout simplement, c'est qu'elles ont presque plus d'essence. Donc moi, la mienne commence à fumer parce que je suis qu'à 7%. Et normalement, dans les bases militaires, c'est là l'endroit le plus fréquent où on trouve un puits de, enfin pas un puits de pétrole, mais un fût pour. Et là, ça m'a sorti automatiquement de la voiture. C'est pour ça que je me suis fait bouffer d'ailleurs. Ça m'a sorti automatiquement de la voiture parce qu'il n'y avait presque plus d'essence. Et vous voyez là par exemple, il y a un fût là-bas. Pas mal. Et là, vous avez entendu que ma voiture a explosé. La voiture d'où je viens de descendre a explosé. C'est pour ça qu'ils m'ont sorti. Et parce que écraser des zombies fait perdre de la vie à votre voiture. Donc voilà, il y a ça dans ce truc. Il suffit d'avoir un baril et nique sa mère. Je suis dans la merde, les gens là. Hein. Mais vraiment. Pour l'instant, je vous montre pas grand-chose. C'est un truc de fou. Simplement que je peux rien faire en fait. Pour l'instant, j'ai rien, mais je peux pas explorer les maisons vu que. 40 000 zombies autour de moi. J'essaye de les brain hein, en essayant d'aller chercher le camion qu'on a vu tout à l'heure. Je sais même pas où il est ce con. Essayer d'aller dans la maison, ça sert à strictement à rien parce qu'ils y vont. Je n'ai pas trouvé de moyen genre d'aller sur les toits ou des conneries comme ça. Je ne sais pas si c'est faisable. Je débute tout simple. Je débute, oui, je débute tout à fait. Vous voyez là par exemple, ils sont bien en train de me bouffer le cul là. Là, je vais vite faire demi-tour. Ça va être chaud avec ça là, mais. Allez, allez, allez. Waouh, vous voyez comment ils ont déglingué la voiture en 3 secondes. Bon, les gens, je vais essayer de. Je viens de mourir, donc je vais essayer de m'équiper juste un peu pour. Pour pouvoir reprendre la vidéo de bonnes conditions. Donc je reprends quand je me suis un peu équipé. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Alors je suis un petit peu plus équipé. Et d'ailleurs je vais niquer ce zombie. Voilà. Boum, plus 3 d'expérience. Alors j'ai vidé un peu ce village à part cette maison-là qu'on va aller faire ensemble. Et celle-ci aussi. Je me suis un peu plus équipé. Donc je vous allez voir dans mon inventaire. J'ai trouvé un petit fusil, un petit colt. Un petit katana et
un petit club de golf, hein, toujours sympa. Donc là, je m'équipe actuellement avec mes armes blanches, tout simplement par le fait que les balles sont rares dans ce jeu. Enfin, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en début de vidéo, vu que moi, ça fait peut-être 1 heure que le début de la vidéo a commencé, mais oui, parce que je suis mort pas mal de fois comme une merde avant. Comme vous voyez, je me suis même déconnecté du serveur pour relancer à cause d'un petit bug de rec. Pardon. Là, une potate. Alors, je sais pas. Tout à l'heure, j'ai pris une brique de jus pour calmer ma soif. Vous voyez, ça remonte assez vite parce que tout à l'heure, j'ai déjà 22%. Hop. Là, je prends un moldy potato. Donc, c'est une patate. Mais moldy, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être épluché. All mushy potatoes picked years ago. Vous voyez, ça me dit que c'est une vieille patate. Donc, normalement, quand je vais la manger, ça va augmenter ma radioactivité vu que c'est une vieille patate qui traîne comme ça à la zeub. Mais bon, j'ai quand même 27% de faim, donc je vais quand même sacrifier un peu. Voilà, vous avez vu, 15% de radioactivité. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai trouvé une boîte de jus. Enfin, c'est pas une boîte, c'est une brique. Nous, on appellera une brique de jus de pomme. Et vu que c'était encore en brique, ça n'a pas augmenté ma radioactivité. Vu que ça ne traînait pas dans un verre, par exemple, ça stagnait pas dans un verre. C'est quoi ça? Longbow, c'est un arc? Je vais drop le club de golf parce que j'en ai à battre. Vous voyez, quand vraiment, quand on n'a pas encore de sac à dos, c'est vraiment la merde. Ah, c'est un arc, ni stylé. Mais il y a moyen de. Ok, ça lâche rien. Là, c'est un petit couteau, mais j'ai un katana qui a une plus grande portée, donc je vais m'en passer. Et j'ai l'impression que ça lâche pas la flèche en fait. Ok, c'est pas grave. Je vais me rééquiper de mon katana. Vous avez vu aussi que je me suis trouvé un petit pantalon bien sympa, vous voyez, je suis plus totalement tout nu. Hein. J'ai un petit futal. Donc les futals et tout ça, je pense que ça ne sert un peu à rien au niveau de la protection. Mais après, on peut trouver les trucs que les zombies militaires ont sur eux. Donc une armure quoi en gros. Et là, ça protège déjà un peu plus. Donc ça y est, j'ai un peu fait le tour de ce village, donc on va aller explorer un autre village ensemble. Maintenant, il ne devrait plus y avoir trop de problèmes vu que je suis pas mal équipé. On regarde le petit air de jeu d'enfance, trop mignon et tout. On voit qu'il y a une petite vague là-bas, je sais pas à quoi elle sert. Par contre, les maps, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas du tout générées aléatoirement. Je pense que c'est toujours la même, la map. Wouah! Il était chelou, lui. Il avait une sorte de truc sous la gueule. Donc, vous voyez qu'aussi, on peut avoir deux coups, un petit coup, qui ne dépense pas d'énergie, comme vous pouvez le voir. Et un gros coup, je vais attendre que mon énergie remonte à plus de 10, voilà. Hop, qui dépense 10 d'énergie. Un gros coup, je pense peut-être qu'il one shot le zombie. On va aller voir ça tout de suite. Enfin, non, on va pas le voir vu que ce zombie qui approche, je n'ai pas d'énergie donc je vais frapper avec des petits coups. Je vais aller voir sur la plage s'il n'y a pas des conneries qui traînent. Donc, je voulais vous dire aussi, comme j'étais en train de le dire avant que je perde le fil, vu que vous commencez à me connaître, je pars un peu n'importe où quand je commence à parler. Alors, je sais plus, donc je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo ou là, il y a du people là, il y a du people là. Donc je vais essayer de ken tous ces gens là. J'ai plus que 20% de vie, je suis dans la merde. Et comme vous voyez, quand on n'a plus beaucoup de vie, on est dans la merde déjà, ça c'est sûr. Mais les couleurs baissent. C'est plutôt pas mal fait, ça c'est plutôt stylé. J'espère qu'il y a un truc pour me soigner sur cette plage de merde. Tiens, bouffe. Il y a un système de bruit, je crois aussi, apparemment. En gros, plus on fait de bruit, plus les zombies de loin viennent. What? Il m'a l'air buggé, lui. À votre avis, est-ce que je prends le risque? Il était buggé, cool, il m'a pas attaqué. Petit château de sable qui ne sert strictement à rien. De la bouffe. Enfin, je pense que c'est de la bouffe. Je vais drop cet arc qui ne sert strictement à rien, vu que les flèches ne partent pas. Ça se trouve, je ne sais pas comment les... Enfin, c'est pas ça se trouve. Oh non, c'est un chapeau de merde! C'est un chapeau de marin, regardez comment je trouve mignon! C'est trop de swag. Trop de swag! Je vais me rééquiper de... Prendre le colt. Parce que le colt, c'est vraiment un... Un colt en vrai c'est cher puissant, enfin un colt. En vrai. Oh un sac! Ça c'est le Saint Graal ça. Ça, c'est le fucking Saint Graal. Oui, je sais pas pourquoi, dès qu'on veut équiper un autre vêtement, ça enlève toujours le fut.
Oh. La nuit tombe, ça va être la merde, ça commence à être la merde. Oui, là par exemple c'est un petit sac, j'ai déjà eu un sac beaucoup plus grand. Là ça me rajoute que 4 d'espace, ce qui est déjà pas mal. Mais j'ai déjà eu un sac qui m'en avait rajouté 6, pas 6, plus. Vous voyez, quand ils sont seuls, c'est largement gérable avec une arme blanche. Mais quand ils ne sont pas seuls, c'est vraiment la merde. Et là, je commence à mourir de soif. Donc oui, par rapport à la soif, il y a un système où on peut largement... apparemment, c'est pas apparemment, c'est on peut remplir, si on trouve une bouteille vide, on peut la remplir à l'infini d'eau dans des lacs comme ça. L'eau potable, quoi, en gros. Donc ça peut être plutôt sympa, mais si on trouve par exemple un jus de fruit avec une bouteille, ça fait boire le jus de fruit et la bouteille disparaît après. Donc ça ne marche pas comme ça. Faut vraiment y trouver l'item bouteille vide, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est stylé. Et donc, enfin, je vais peut-être pouvoir arriver à dire que j'essaye de dire putain. Donc le truc que je savais pas si je vous l'avais dit dans le début de vidéo. Déjà par exemple, je viens de vous regarder là, derrière cette arme, si je viens pas de fumer, il y a de la faune. Donc des animaux à buter, je pense sûrement qu'ils donnent de la bouffe. D'ailleurs j'ai vu un cochon et dans une autre partie j'avais vu une biche. Et là j'avais cru voir quelque chose mais je n'ai rien vu. C'est l'âge. Là il y a un bruit de zombie, ce n'est pas du tout cool. On va aller là-bas. Ça me semble être la zone militaire en fait là-bas, donc c'est peut-être pas super cool. Ouais, j'ai l'impression que le coup fort c'est de la merde. Et j'ai l'impression que je vais bientôt crever surtout. C'est quoi ça? C'est un mob. Tout à fait, c'est un mob. Donc on va essayer de le niquer pour essayer de voir s'il nous donne de la vie. Mais je crois que la vie ne se gagne pas du tout avec la bouffe, mais se gagne avec. Putain, il se barre. Avec des médocs. Faut trouver des médocs ou des bandages pour gagner sa vie. Et oui, aussi, comme dans DayZ, il y a moyen de se péter des jambes si on tombe de trop haut. Sauf que, contrairement à DayZ, là, faut pas un bandage. Que le bandage redonnera de la vie, mais ne réparera pas la jambe. Les jambes se réparent toutes seules au bout d'un moment. Mais ce qui est fou la mort, c'est que pendant que votre jambe est pétée, ben, courir et sauter, ben, faut pas y penser. Donc, et là, je commence à mourir de plus en plus. Enfin, non, je meurs pas là, c'est que c'est la nuit tombe. Et vu qu'en plus, je vois déjà en noir et blanc de base. C'est la merde. Donc, encore ce que je voulais dire depuis le début, depuis qu'on a repris. Putain, je vais jamais y arriver, les gens, c'est impossible. Je papillonne trop, comme dirait l'autre. Je sais pas si, donc, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais c'est un free-to-play, ça je sais que je l'ai dit. Il y a moyen de l'acheter pour 5 euros, ça je sais que je l'ai dit. Ça débloque des nouveaux skins, des nouveaux têtes, des nouvelles têtes, des nouvelles couleurs de peau, tout ce que vous voulez. Ça je l'ai dit, mais je ne sais pas si je l'ai dit deux autres choses. Déjà, le fait de l'acheter encouragera notre petit jeune développeur à continuer, car il y a déjà eu quelques mises à jour au niveau déjà graphique, graphisme, qui se sont légèrement améliorés par rapport au début. Je dis légèrement parce que ce n'est pas un jeu pour ses graphismes, hein. Même lui il le sait très bien, je pense. Il l'a fait exprès, je pense, au niveau des graphismes, que ça ressemble un peu à un Minecraft. C'est même limite un peu mieux qu'un Minecraft. Tu es un zombie? Oui, tu es un zombie. Je vais essayer de voir si je peux foutre de l'expérience. Je vais essayer de voir aussi s'il n'y a pas de zombies autour qui vont venir foncer dessus. Et donc, dernière chose. Ça, c'est la chose que je ne savais pas si je l'avais mis. J'ai 35 d'expérience. D'expérience, je vais augmenter mon endurance et augmenter ma survival et augmenter plus rien d'autre vu que j'ai plus que 10. Voilà, donc, je sais pas ce que ça a fait, mais ça l'a sûrement fait. Un autre petit village, ça serait cool que je puisse l'explorer sans crever. Et oui, il y a des raccourcis là, je sais pas pourquoi moi il marche pas, ça m'énerve. Qu'en haut là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 là. Normalement, quand on appuie sur 1 ou 2 ou 3 ou 4, ça c'est censé le prendre automatiquement. Donc, il est beaucoup plus simple. Putain, il m'a fait peur! Putain, cours, cours! Non! Oh les gens! J'y crois pas! J'ai flippé! Il bougeait pas, donc au début, je me suis dit, ah, maintenant, c'est pas un zombie. Au début, j'ai cru qu'il était doux. Et finalement, c'était un rampant. Ouais, chèrement. Par contre, quand vous mourrez, comme là, tout votre stuff reste au même endroit. Donc, si je retourne à l'endroit où j'étais, je le retrouverai. Cependant, je respawn à la... tant que je n'ai pas de home, entre guillemets, donc comme dans Minecraft, là où j'ai spawn comme je voulais. Ceci est une tente. Je ne sais pas si je peux rentrer dedans sans me faire niquer.
Déjà qu'il y a un zombie qui arrive, c'est mal barré. Ok, vive la tente qui sert à rien. Il n'y a strictement rien dedans. Voilà, ce fut mon dernier combat. Vous voyez, Home, je pense qu'il y a un système de pouvoir dormir quelque part et se faire sa maison. Il respawn, donc je tiens à vous dire, c'est aléatoirement. Donc pour trouver mon stuff, il va falloir vraiment que je retombe par chance dessus. Encore une dernière fois, que j'arrive à essayer depuis tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, mais aussi quand vous payez le jeu 5 euros, les loots sont moins rares. Donc en gros, loot, ça spawn plus. Les armes et tout spawn plus. Donc ça peut être cool. Et aussi, je disais, il y a un multijoueur à ce jeu. C'est pour ça que je pense qu'on va vous faire des vidéos avec la team. S'ils le prennent, bah, c'est un free to play, donc je ne vois pas pourquoi ils le prendront pas. D'ailleurs, en plus, moi, franchement, je le trouve génial. Même si là, je fais de la merde, exactement. Vu que je rec. Hein. À chaque fois que je rec. Vous me connaissez, c'est Failman, c'est Failman. Vous voyez, il y a un autre zombie qui va venir, là, il va me déglinguer. Vu que j'ai que mes points pour l'instant, et les points, pas rien. Tiens! Croix gauche dans ta tête, t'es mort. Donc, on va sûrement vous faire des petits multis avec la team, ça peut être super sympa. Et donc, ça rajoute le côté DayZ que je disais au début de la vidéo. C'est qu'en gros, en multi, en plus des zombies, il y a les autres joueurs à surveiller. Et j'aimerais bien trouver la map pour vous la montrer. Comme je vous l'ai dit, la map ne change pas en fait, c'est toujours la même. Map, 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 map. Map, ok. Il n'y a pas de map dans les menus tout simplement parce qu'il y a des maps à ramasser en fait. Les maps, ça se ramasse les gens. C'est un item map. Donc ça peut être super utile en fait. Mais j'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a une dans ce truc, mais je vais pas y aller, je suis mauvais. Il y a un peu de sang sur les murs, c'est cool. Et donc voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je pouvais dans le jeu. Je vous ai montré mon no skill. Aussi que j'ai été effrayé par un de ces putains de rampants alors qu'il n'y aurait pas du tout fallu. En fait, j'étais effrayé, je vous explique, parce que j'étais surpris. Je m'attendais qu'il marche, que ça soit pas un rampant. Et quand je l'ai fait ramper vers moi, j'ai la sensibilité trop forte de ma souris. Il m'a fait que j'ai bougé comme ça. Et pour me remettre à courir, en plus, il me suffisait d'un coup pour mourir, donc c'était la mort. C'était la mort, là, j'ai essayé d'entrer dans la balle militaire, mais ça va être la mort. Tout lui me bouffe les pieds. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce jeu très très sympa. Je vais essayer de me planquer dans un mirador si j'en trouve un. On va se dire au revoir là-haut. Ouais, dans les bases militaires, il y a moyen de trouver des bonnes armes et tout. Ouais, finalement, ouais, on va trouver un mirador parce que je pense que cette vidéo est déjà assez longue, mes amis. Et je pense que j'ai plus d'énergie, donc je vais me faire prendre un sandwich. Ouais, un avion, c'est prenable à votre avis? Je savais pas du tout. Si c'est prenable, je colle. C'est pas prenable. Ok, nickel. Oh, dommage. Ça aurait été stylé. Ça aurait été stylé. Bon, les amis, c'est sur cette millième mort qu'on va se laisser. C'est des kits pour ce petit jeu. Unturned. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette présentation de jeu vous aura plu. J'espère que cette petite vision sur mon bureau et les différents logiciels que j'ai vous aura plu. Salut tout le monde, à la prochaine.